ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de la route. Ouais. Mais enfin bon, c'est pas pour de la route super longue non plus. Hein. Bon, puis quoi a fait? C'est Foxy qui a passé la route depuis longtemps. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous regarde pas, je préfère regarder le virage. C'est tellement exceptionnel que Christa et moi soyons ensemble dans un camping-car que je ne pouvais pas ne pas nous filmer. Ah, ok, pas grave, c'est la bouteille d'eau. Ça fait tellement longtemps qu'elle n'a pas bougé, Foxy, ça fait plus d'un mois que du coup, il y a plein de trucs qui bougent. Elle n'avait plus l'habitude, la pauvre chérie. J'ai oublié la bouteille d'eau, mais c'est pas grave. Alors aujourd'hui, nous sommes le dernier jour de l'année 2018. Alors, pour moi, le réveillon du jour de l'an, je m'en fiche, mais à un point que vous n'imaginez même pas, encore pire que Noël. Par contre, toi, Christa, t'aimes bien. Ah, mais moi, c'est Noël que je m'en fiche, comme tu ne peux même pas imaginer. J'ai accepté quand même de faire des soirées avec vous, malgré le fait que je déteste Noël, parce que moi, je fête le nouvel an, moi. Ça, c'est beaucoup plus important pour moi que Noël, hein. Donc, maintenant, ce soir, bien sûr, pour ma Christa chérie, bien évidemment, bien sûr, je vais sûrement aller faire le tournée des bars avec Christa, voir le feu d'artifice. Je ne sais pas, on va voir. Peut-être qu'il y aura de la musique. On a vu une belle affiche pour Aimé Chiale. On va voir. Oui. Il y a certainement la musique parce que c'est une soirée spéciale Nouvel An ce soir. Dans l'an. Complexe sportif, c'est-à-dire dans le gymnase, comme on dit en France. Oui. Avec un petit repas. Et d'après ce qu'elle m'a dit, d'après ce qu'elle m'a raconté Jifke hier, elle a entendu ça de quelqu'un qui est allé l'année dernière. C'était super sympa. Ah, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, mais c'est que à partir de 9-10 heures. Et il y a un jeune homme qui vient chanter. Alors on ne sait pas qu'est-ce que c'est comme chanson. On ne sait pas est-ce que c'est du fado ou est-ce que c'est autre chose, je ne sais pas, de la variété portugaise. Je n'ai aucune idée parce que ce n'est pas marqué sur le papier. Excusez, je vous fais voir la route pour que vous compreniez que comme je tiens la caméra, ça bouge dans tous les sens, que vous compreniez pourquoi. Donc, pardon, j'ai coupé, Christa. C'est pas grave. Donc, la musique, on ne sait donc, pas. Donc, on ne sait pas, c'est pas marqué sur l'affiche. Il n'y a que le nom du chanteur, un jeune homme. Mais on ne sait pas si c'est du fado ou si c'est autre chose. Voilà. Bon, de toute façon, on va y aller. On verra bien. On verra bien ce que c'est. Bon, voilà. Sinon, écoutez, le temps que je mette en ligne. Je pense que ça sera sûrement 2019. Certainement. Voilà. Parce que c'est vrai que le réseau est un peu prenne talent avec les fêtes. Donc à l'avance ou peut-être au bon temps. Vous remplacez de tout ce mot d'André par le mot que vous voulez. Hein. Bon, moi en tout cas je vous souhaite plein de belles choses. Hein. Vraiment, qu'est-ce que je vais dire comme nouveauté pour l'année 2019? Je ne vais pas parler pour nous, mais moi je vais encore plus m'imprégner de cette vie, encore plus. J'ai envie de faire plein de nouveautés pour la chaîne, approfondir les choses, approfondir ma vie, vous montrer effectivement un peu plus ce que je fais, ce que j'aime. J'ai envie de quelques modifications par rapport à ma vie de nomade, des petites choses, voilà. Mais de toute façon, je vous en parlerai, vous le savez. Mais en tout cas, à vous, je vous souhaite que vous avez aussi plein de petits et de grands projets. Et toi, ma Christa, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'étais emmerdeuse en 2018, je serai emmerdeuse en 2019. Oui, mais ça, bon, c'est pas une nouveauté. Ça c'est fait, pas un scoop, ça fait ça, quelques alors. Décennies que t'es une emmerdeuse. C'est vrai, ouais. Ma tante, elle m'avait dit à moi, déjà toute petite, t'étais déjà emmerdeuse. Oh, d'accord. Elle promet, la petite. Moi, je vous le dis pas parce que de toute façon, j'en ai conscience. Ça fait plusieurs décennies aussi que je suis une emmerdeuse. Donc voilà. Et une grande gueule.
Et ouais. Non, je ne saurais pas. Oh, je resterai une grande gueule aussi. Oh non, on m'a toujours raconté nos conneries. Ouais, ouais, ouais. Et on m'a toujours espéré de vous faire rire. On continue à vous faire rire. Alors restez avec nous. Non, mais ça, c'est notre état d'esprit. On vous l'a toujours dit, hein. On n'est pas des exceptions. On a eu des emmerdes. On a toujours des emmerdes. Pardon. Peut-être qu'il y a le rayon de soleil, ben, lanterneau. Mais tant mieux, hein, il y a du soleil. Nous, on aime mieux vous faire voir surtout le bon côté, oui. Nos rigolades. Oui. Oui. Et encore une fois, j'insiste, non, on n'est pas toujours en train de picoler. Non. Mais oui, par contre, on est toujours en train de rire et en train de déconner. Parce qu'en fait, on peut avoir des emmerdes. Ben, tout le monde a des emmerdes. Nous aussi, on a des emmerdes. Bien évidemment, là, par exemple, je prends Foxy, je vais à Almodovar parce que j'ai un problème. Il y a une durite du turbo qui s'est débranchée et j'arrive pas à le réparer moi-même. Donc, il faut que j'aille au garage. On a toujours des emmerdes, tout le monde a toujours des emmerdes. On a des problèmes avec la famille, avec le boulot, avec l'argent, avec tout ce que vous voulez. Il y a toujours un truc qui passe à travers. Mais nous, c'est ce que nous voulons, nous, de vous faire comprendre et de vous faire voir que même les plus grands emmerdes, on peut le prendre en rigolant. Pas rigoler sur les emmerdes, parce que bien évidemment, il y a des choses qui sont sérieuses, qu'on ne peut pas rigoler. Mais on peut quand même... garder son bonne humeur et rire de soi-même surtout, ça c'est important. Parce que si vous ne pouvez plus rire de vous-même, alors désolé pour vous, vous pouvez aller au prochain cimetière vous faire enterrer. Hein. Mais exactement, et c'est pour ça que vous êtes nombreux à nous dire, ah mais oui, mais avec vous, tout va bien, vous rigolez tout le temps, etc. Non, tout va pas bien. Et les gens, il y a certaines personnes qui pensent qu'on est un petit peu hors norme, exceptionnel, etc. Et on n'est pas hors norme, on n'est pas exceptionnel. Seulement, Chrissa et moi, on a tellement eu d'emmerdes dans notre vie. Ah pardon, on est sur un pont et ça bouge dans tous les sens. On a tellement eu d'emmerdes dans tout ça que petit à petit avec les années, alors peut-être que c'est la maturité, je sais pas, mais on a petit à petit on a pris le chemin de la dérision quoi. Voilà, mais si vous étiez avec nous, si votre tempérament est négatif, pessimiste, etc., vous resteriez pessimiste, négatif. Ah oh bah oui. Voilà. Bah oui. Parce que vos emmerdes, elles resteraient les mêmes et nous les nôtres aussi. On s'entend bien avec John, ouais. Parce que lui, c'est la même chose. C'est pareil, il a le même état d'esprit. Voilà. Vous le savez, il a des soucis de santé, vous le savez, bon, il a d'autres soucis, etc. Mais c'est un mec qui rigole tout le temps comme nous, quoi. Oui. Il prend la dérision. Oui. Et honnêtement, moi, aujourd'hui, depuis quelques temps, mais aujourd'hui, je suis encore pire. Je suis désolée pour les gens, mais je fuis complètement les gens négatifs. Oui. Qui n'ont pas de la capacité de voir le bon côté d'une situation. Ouais. Qui voit toujours le verre à moitié vide. Oui. Moi, je vois toujours le verre à moitié plein. Voilà. Quitte à le remplir, hein, ou quitte à le vider d'abord et remplir. Voilà. Et dans mon autre vie, j'étais obligée de les supporter de par mon activité pro, etc. Maintenant, terminé, ça dégage. Ça dégage. On se fait tacler et par certains commentaires et aussi par des gens réels là à Méchial. Vous ne sentez pas concerné parce qu'il avait des soucis en France, je sais pas, des gilets jaunes, je sais pas trop quoi. Ah, vous ne sentez pas concerné. La question n'est pas là. La question n'est pas là. Mais j'ai répondu à la dame, je dis mais moi, vraiment, je fais exprès de ne plus voir des infos. De toute façon, je ne vois pas parce que je n'ai pas télé. Mais non plus écouter les infos. Parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête avec des mauvaises choses, avec des choses négatives, que de toute façon, moi, ici, à Portugal, je ne peux rien changer. Alors, ça sert à quoi de se prendre la tête? Moi, je préfère rester ici, profiter de mes amis, profiter du soleil, du beau temps, profiter de mon chien, profiter de ma vie de full-time air camping cariste, au lieu de me prendre la tête avec des choses qui me concernent. Peut-être ou peut-être pas. Si, ça nous concerne. Oui, si, ça nous concerne, parce que de toute façon,
Ben oui, on paye comme vous les impôts, les machins, et là. Oui, mais bon, c'est vrai qu'on dégage. Moi, je me tiens à peine au courant par Internet, mais je dégage ça vite fait de ma tête, de mon quotidien, c'est tout. Voilà. Pas envie de me gâcher la vie avec des mauvaises nouvelles, tout simplement. Bon, par contre, la foire aux questions, je vous l'ai dit, je vous l'ai redit, la vidéo est toujours disponible. Nous n'avons toujours pas répondu, et non, ça vous le savez. Bon, incessamment sous peu, je vais répondre pour ma part de questions. Finalement, vous avez posé beaucoup, beaucoup de questions pour nous deux en commun. Alors, comme nous ne sommes pas un couple, hein, bien évidemment, non. Heureusement. Non, hein, on n'est pas un couple. Hein. Non. Est-ce qu'on couche ensemble? Non, purée, non. Non, mais non, prends assez de place dans mon lit, j'ai pas besoin de clé comme mon arrête, ils vont t'accuser d'être zoophile. Non, je couche pas avec Dominique. Donc, je pense que je vais être la première à dégainer ma vidéo pour répondre aux questions. Donc, je vais faire une vidéo pour répondre aux questions. Je vais vous faire aussi certaines révélations lors de cette vidéo. Et ouais. Ça va être chaud, hein. Je vous préviens, ça va être chaud. Attendez-vous au pire. Ouais, voilà. Ne vous attendez pas à d'autre chose qu'au pire, hein, n'est-ce pire. Pas avec Ambre, c'est que le pire. Et après, Chrissa, alors je ne sais pas dans combien d'années, dans combien de mois, elle vous fera sa vidéo pour répondre aux questions. Tant qu'elle n'a même pas terminé de lire les questions. Bon, en tout cas, là, nous sommes à une certaine date. Je préfère pas le dire. Et puis, oh non, tu peux le dire, même si la vidéo est passe que 3 jours après. Nous sommes que... le dernier jour de 2018. 31 décembre 2018, il est 11h45, voilà, heure portugaise. Et donc, vous pouvez encore mettre des questions en bas de la vidéo, foire aux questions. La vidéo s'appelle « À vos questions », je l'avais déjà dit. Mais je vous le redis encore, il y a déjà beaucoup de questions, mais pas grave du tout, je prendrai le temps de répondre. Chrissa prendra le temps de répondre. Là, on continue la route, j'ai toujours pas la nausée, même si je tiens la caméra. On va, oui, parce qu'on vous a même pas dit, on va. Almodovar. Ah si, j'ai appris un mot en anglais, j'ai appris un mot. Alors, parce que Patrick, je parle beaucoup avec Patrick et Petra en anglais, grocery. Voilà, grocery. Yes. En anglais, ça veut dire on va faire les courses. Almodovar. Ouais. Ah, Patrick m'a dit. Patrick a dit. Patrick, grocery, normalement, c'est épicerie, ouais. Ah ben voilà. Ouais. Donc on va à Almodovar parce que nous allons au Pingo Doce. Ouais. Parce que cette fois-ci, c'est sûr certain, après avoir comparé les prix entre Intermarché et Pingo Doce, Pingo Doce reste beaucoup plus intéressant financièrement. Oui, absolument. Et puis ils ont des produits que j'aime beaucoup et que je ne trouve pas Intermarché. Oui, c'est vrai. Ils ont des jolis produits locaux à un prix imbattable. Ils ont plus de produits locaux. Oui, ils ont plus de produits locaux. Et à un prix imbattable, hein, vraiment. Oui. Ils ont des paquets de petits chorizo à cuisiner avec le riz. Bon, moi j'ai quand même des origines espagnoles. À faire revenir dans le riz en paella, dans la poêle, c'est vraiment excellent. Je ne sais pas si vous cuisinez le chorizo, mais cuisiner le chorizo, c'est vraiment très très bon. Ouais. Ça parfume beaucoup beaucoup votre plat. Oui. Après, pas besoin de mettre du gras parce que le chorizo c'est assez gras comme ça. Non, voilà. Oh là là, regardez la route. Non mais regardez la route. Elle est belle, hein, je dis pas. Mais elle a été tracée, comment tu dis? Avec un serpent. Voilà. En tout cas, la bonne humeur, toujours. Oui, parce que la mauvaise humeur, on ne vous le montre pas. Jamais on sera à l'abri des emmerdes, mais jamais on le sait de par notre grand âge. Jamais on perdra notre bonne humeur. Non. Et le sifflement que vous entendez là, peut-être, c'est le turbo. Alors, il roule doucement. Ouais, justement, je mettais pour que vous entendiez. Voilà le sifflement. Ouais. Ça ne fait pas trop. Mais bon, il y a deux mécanos qui m'ont confirmé. Si je roule doucement, je peux rouler. Alors, je roule doucement.
c'est qu'en fait j'ai une perte de puissance par rapport au turbo, c'est tout. Mais ça risque pas grand chose d'autre. Hein. Alors voilà. Maintenant, il faut trouver la durite, ou le durite, la durite. Qui est débranchée, qui s'est débranchée. Ah tiens, c'est nos voisins, ça. C'est des voisins français qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de vélo. Bon, allez. Bonjour, monsieur. Regardez la belle maison en face. Ouais, c'est joli, c'est fleuri, c'est beau. Ça, c'est typiquement portugais, ça, le blanc avec le bleu. Il y a des belles maisons ici. Mais c'est pas pour ça que je voudrais habiter ici, hein. Pas à la longue, pas jusqu'à la fin de ma vie, pas à cet endroit spécial. Que une maison à roulettes, point que terminé. Une maison à roulettes. Le problème des maisons qu'on regarde, c'est qu'elles sont jolies, mais elles n'ont pas de roulettes. Elles n'ont pas de roulettes. C'est un peu con, elles sont mal faites, quoi. Ouais. Voilà. Elles ont une malformation congénitale. Elles n'ont pas de roulettes. Ah, c'est mal fait quand même, des fois, hein. Oh là là, ça tournicote, tournicote, tournicota. Et jusqu'à Almodovar, c'est tournicote, tournicota. Jusqu'au bout. T'as la nausée, tant mieux, parce que moi aussi. Ah, t'avais pas capté, hein, t'avais pas capté pourquoi je t'ai embarqué dans la vidéo. Ben, exprès pour que t'aies la nausée. Vous voulez être avec nous? Eh ben voilà, vous adhérez à la vous nausée. Vous êtes avec nous jusqu'au bout. Pour le meilleur, pour le pire. Oh là là, attention au dernier virage. Là. Hop là. Oh, on est presque arrivé au bout du virage. Il y a plus beaucoup là. Le pire est derrière nous. Oh là là. Bon allez mes amis, mes chéris, mes amours. Je vous dis bye bye. Et je continue. Je change la vitesse, hein. Et tournicoté, tournicota. Ah oh là 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 là, on fait la grande vite là, vous avez vu. Et, au fait, entre parenthèses, ça se sent que Christa parle plus souvent allemand ces temps-ci, parce qu'elle confond encore plus les masculins et les féminins, et je ne la corrige jamais, parce que je trouve ça excellent, je trouve ça trop mignon, quoi. Mais alors... vous inquiétez pas, hein, en allemand, maintenant, je cherche mes mots aussi. Hein. Donc, c'est pas qu'en français que je fais des fautes, mais en allemand. Hier, j'étais là avec mon sécateur. Je signale, à titre indicatif, elle est allemande, encore, je le dis, le redis. Et en allemand, elle cherche ses mots. Voilà. Hier, j'étais là avec mon sécateur dans la main, en face de deux autres compétitrices, deux femmes super sympas, allemandes, qui roulent seules, elles aussi. J'étais là avec mon sécateur, je ne savais plus le mot allemand pour sécateur. Ah ben oui. Donc j'étais là, je regardais Astrid et Mickey. Dites-moi vite fait comment ça s'appelle en allemand, je ne sais plus. Vous voyez donc, hein. Bon, allez, shoot dans le vélo. Et après, on vous dit au revoir pour de bon. Fesses rouges, regarde. Ah ouais, dis donc. Flashy. Bon, allez. Finalement. Ils vont le prendre pour des folles et ils ont raison. Promis, non, on n'a pas bicolé. Christa a mis son mug ici. Il n'y a que du café, il n'y a pas de rhum, il n'y a pas de gin. Il n'y a rien du tout dedans. Tiens, elle a peut-être acheté une bouteille de rhum. Pour faire un petit punch, ça fait longtemps. Bon, allez, cette fois-ci, salut les amis. Ciao mes amours.